Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour faire une recette de Noël pour un plat ou une entrée. Et attention, spécificité, cette année, je vais faire tous mes plats végétariens. La première recette, c'est une tourte végétarienne aux champignons et aux lentilles. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo, on se retrouve après. Pour cette recette, il va te falloir 300 g de farine, 2 poignées de noix de cajou, 150 g de beurre, 1 oignon, du persil, 100 g de lentilles cuites, 75 g d'eau, 500 g de champignons, une gousse d'ail, un œuf, du sel, du poivre et 25 cl de crème. Je commence par faire ma pâte brisée en mélangeant la farine et le beurre. Ensuite, je rajoute petit à petit l'eau. Quand cela forme une pâte homogène, je vais la laisser reposer 30 minutes. Pendant ce temps, je vais émincer finement l'oignon, puis les champignons, l'ail et enfin le persil. Dans une poêle, je mets un filet d'huile d'olive et je fais revenir l'oignon. Au bout de 5 minutes, je rajoute les champignons et je laisse cuire le tout 10 minutes. Pendant ce temps, je vais mélanger ma crème et mon œuf. Quand les champignons sont cuits, je rajoute les lentilles, les noix de cajou, l'ail et le persil. Je mélange bien pour avoir quelque chose d'homogène. Sur un plan de travail fariné, j'étale la pâte et je coupe en deux parties égales. Dans un moule à manquer qui est haut, je vais mettre ma pâte dans le fond. Je rajoute ma garniture, le mélange de crème et d'œuf. Je vais refermer avec l'autre partie de la pâte et je vais rabattre les bords en soudant. Je vais finir par enfourner 40 minutes à 180 degrés et c'est terminé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Tu peux retrouver la recette en barre d'infos, comme mon Instagram, comme mon Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Noël. Une très bonne journée.